Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferreille. Ouverture ce matin de la salle Margou de l'hôtel Gao de Niamey du séminaire national sur le management public territorial et la territorialisation des politiques publiques, et c'est le secrétaire général du ministère en charge de l'Intérieur qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ces assises dureront également 3 jours et entrent dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire national financé également par l'AFD. D'autres détails avec Boubacar Amadou et Mohamed Djoli. L'administration nigérienne est confrontée depuis plusieurs années à des défis multiples qui se rapportent au déficit de cadres expérimentés, à l'insuffisance des performances du service public et à la faiblesse structurelle de l'administration, tant au niveau national que local. Pour passer d'une administration classique fondée sur le commandement à une administration de développement bâtie sur le management public territorial, les autorités au plus haut niveau ambitionnent de s'orienter vers une gouvernance vertueuse, une administration qui libère les initiatives et les talents, d'où la tenue de ce séminaire national sur le management public territorial et la territorialisation des politiques publiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est vaste de 1 287 000 km² et que nous avons 8 régions, collectivités déconcentrées. Nous avons 7 régions, collectivités territoriales, 63 départements, 265 communes. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à trouver le fil juste pour avancer un modèle qui puisse permettre le développement local durable et inclusif. C'est pourquoi, à travers les objectifs de ce séminaire, il a été identifié également comment faire en sorte que le transfert des compétences qui est initié depuis un certain temps puisse connaître un succès. Il rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de financement qui lie le Niger à l'Agence française de développement AFD dans sa composante 1 intitulée « Projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire ». 3 objectifs sont assignés à ces assises de 3 jours. Clarifier les notions, les approches et les modalités pratiques pour opérer des changements au niveau des décideurs et cadres de l'administration centrale afin que la territorialisation du développement devienne un enjeu partagé pour la réussite du mandat de chaque régime, de chaque ministre et de chaque mandat parlementaire. Définir les stratégies opérationnelles pour une meilleure articulation entre la sécurisation du territoire, la paix sociale et le développement territorial en mettant en évidence le rôle et les responsabilités des différents acteurs. Définir les éléments déterminants d'une diplomatie territoriale incluant surtout la coopération transfrontalière d'initiatives locales. De ces assises, il est attendu un diagnostic et un état de lieu qui permettront de comprendre l'évolution de notre administration et formuler des recommandations et des pistes d'action pour une meilleure efficacité et une meilleure efficience des politiques publiques territoriales. La maternité Issaka Gazobi de Niamey a bénéficié ce matin d'une double donation d'un montant de plus de 23 millions de francs CFA. Ce don émane des militaires italiens de la mission bilatérale de soutien au Niger et d'un généreux donateur. Il s'agit donc de M. Roberto Facnia. Les détails avec Samira Alimaiga et Rabilabo. La maternité Isaac Gazobi de Niamey dispose d'une nouvelle salle d'opération avec équipement complet prêt à être utilisé. Cela est dû grâce à une double donation des militaires italiens de la mission bilatérale de soutien au Niger et d'un généreux ancien militaire italien Roberto Facchini, qui œuvre beaucoup dans le monde pour améliorer la santé des populations. Nos frères militaires italiens de la mission bilatérale de soutien
Ayant constaté la non-fonctionnalité du deuxième bloc opératoire de la maternité Issa Gazobi de Niamey, conçu gratuitement par la BIA Niger, la qualité de la prise en charge des patientes et des nouveau-nés ont décidé de nous fournir un équipement médical dans un bref délai. Cet équipement médical d'une valeur de 23 300 000 francs ensemble est composé de deux tables d'anesthésie et réanimation, deux sciatiques plafonniers qui ont été installés, une boîte complète de laparotomie et une boîte complète de césarienne. Le matériel médical offert par M. Roberto Facani est composé de matériel de l'aménagement de deux salles d'accouchement, comprenant deux tables d'accouchement, deux tabourets pour le personnel, deux lampes, deux potences pour les solités, deux pèses nourrissons, deux stérilisateurs, deux chariots à pharmacie, deux berceaux et six fauteuils roulants. Il comprend aussi le matériel de protection contre les infections, que ce soit les masques hospitaliers et de collectivité. Il comprend aussi beaucoup de médicaments à usage maternel et pédiatrique, un défibrillateur qui a été tout de suite testé par notre anesthésiste réanimateur et une table d'anesthésie réanimation. La disponibilité de ces matériaux médicaux et de consommables est un soulagement pour l'ensemble du personnel administratif, technique et aussi les patientes et les nouveau-nés de la maternité Issa Gazobi. Créé en 2018, conformément aux accords de coopération entre le gouvernement de la République italienne et ceux du Niger, la mission italienne de soutien au Niger mène des activités en faveur des populations. Pour nous, la mission italienne de soutien au Niger, la MISIN, a débuté ses activités de coopération il y a plus de 4 ans de cela. Depuis 2018, nous avons créé ensemble un parcours par lequel nous, Italiens, collaborons avec les institutions et les citoyens de ce grand pays pour que les défis en matière de sécurité et de santé soient traités avec efficacité. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique, c'est le lieu de saluer et encourager le dévouement de la mission à accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la santé des populations. La coopération italienne a toujours œuvré pour le développement de la santé de nos populations à travers le Fonds commun santé, mais aussi par la coopération bilatérale, comme en témoigne ce don en équipement et consommable au profit de la maternité Issa Gazobi. Quant à l'ambassadrice d'Italie, Emilia Gatto et Roberto Facchini, généreux donateurs, ils ont félicité l'ensemble des personnels administratifs du centre pour leur travail acharné. En guise de reconnaissance de l'accompagnement de l'amélioration de la santé des populations, le gouvernement du Niger a décerné des témoignages de satisfaction aux méritants. S'en est suivi des signatures du procès verbal des donations. Et puis au front social, le syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles, le SNEJ, a rendu public cet après-midi une déclaration de presse. Elle est relative à la situation de la gestion des UIT dans les universités publiques du pays. D'autres précisions dans ce compte-rendu. C'est la substance de la déclaration du syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles du Niger, SNEJ. La mort programmée des UIT du pays par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le Ben SNEJ condamne et conteste de ce qu'il qualifie de liquidation des UIT du pays. Le Ben SNEJ s'indigne de l'insouciance des recteurs des UPN par rapport à cette situation de blocage des encadrements et soutenances au niveau des UIT. Le Ben SNEJ dénonce l'incapacité et le manque de volonté des autorités académiques et ministérielles à trouver une solution à un problème qu'ils ont eux-mêmes créé au sein de ces instituts, malgré toutes les démarches entreprises par le Ben SNEJ auprès des autorités ministérielles. En effet, depuis le début de cette situation de crise, le Ben SNEJ a soumis un mémorandum sur les UIT aux autorités ministérielles afin de les rappeler l'importance de ces UIT pour les régions depuis leur création et la violation répétée du statut autonome des enseignants technologues. Sinon, comment comprendre une note des recteurs et un arrêté du ministre
vient remettre en cause une loi votée à l'Assemblée nationale. Le Bern-SNES s'injuge contre la liquidation progressive et programmée des UIT au sein des UPN. Le Bern-SNES exige le retrait pur et simple de l'arrêté numéro 00208/MES/R/SG/DGE/DL du 16 août 2022 du ministre de l'Enseignement supérieur portant correction des rapports de stage dans les UIT. La présente déclaration du Bern-SNES intervient après celle de la section SNES de Maradi tenue le 2 janvier dernier. Il condamne par la même occasion les attaques terroristes et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Et puis la situation du reliquat des examens du baccalauréat session en 2022 au centre des débats au niveau des syndicats du secteur de l'éducation. Après donc plusieurs mois de la fin des examens du baccalauréat édition 2022, qu'est-ce qui bloque concrètement la régularisation de ce reliquat? Élément de réponse dans ce reportage. La situation du reliquat des enseignants correcteurs du baccalauréat session 2022 reste toujours d'actualité et l'une des principales revendications de la FESES-FPT Niger. À ce jour, ils sont nombreux les enseignants correcteurs qui attendent de voir rentrer dans leurs droits après plus de 6 mois de la fin des examens du baccalauréat édition 2022. Le coordinateur de la FESES-FPT Niger dénonce cet état de fait malgré les promesses tenues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le constat est amer. Le constat est amer. Malgré toutes les chansons qui sont en train d'être faites, que ce soit par le président de la République, le premier ministre, le ministre de l'Éducation, selon laquelle on accorde une place de choix à l'éducation, nous nous disons que c'est juste un discours. C'est un discours politicien. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille, on peut dire que nous sommes à la veille de la session 2023. Alors les reliquats de 2022 ne sont pas encore payés. Nous pouvons vous dire que, selon les informations que nous avons eues, les instructions ont été données pour payer ces reliquats. Mais jusque-là, du côté du Trésor, on n'arrive pas à mettre l'OBEX dans ses droits. Le directeur général de l'OBEX donne des précisions sur cette situation. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore en main les fonds. Nous avons un compte au Trésor et toute la procédure, une fois encore, est terminée. Donc nous attendons que d'un moment à l'autre, le Trésor nous appelle pour nous dire de venir prendre l'argent et payer ces correcteurs. Donc, à notre niveau, en tout cas, nous avons fait tout notre travail et nous l'avons fait même de concert avec les représentants des syndicats qui ont suivi pas à pas et qui étaient là tous les jours au niveau du service financier pour s'assurer que tout est en règle. La question des reliquats des bacs organisés depuis quelques temps date depuis 2016 à 2017. En 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur avait pris l'engagement de mettre fin aux reliquats des différents bacs organisés au Niger. Pour le bac 2022, ce sont 3720 enseignants correcteurs du baccalauréat qui sont concernés par cette situation. Et puis, le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a donc entamé ce matin même la première étape de sa caravane de promotion des grands projets du président de la République, Bazoum Mohamed. Ce matin, ils étaient donc de l'autre côté de la région de Tillabéri où ils ont organisé une importante activité sous le parrainage du gouverneur de la région de Tillabéri en présence donc justement des cadres de cette localité. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions, Inch'Allah. Dernier aspect donc de cette édition, les inscriptions pour le baccalauréat session en 2023 ont pris fin le dimanche 8 janvier dernier. Selon donc le responsable de l'OBEX, les inscriptions se sont bien déroulées à la grande satisfaction de tous les acteurs. N'est-ce pas, Youssouf Haïdara?
Cette année, 84 720 candidats sont attendus pour passer l'examen de fin de cycle pour l'obtention du baccalauréat session 2023. Selon le responsable de l'Office du baccalauréat des examens et concours du supérieur OBEX, les inscriptions ont pris fin le dimanche 8 janvier 2023, comme ils l'ont convenu après 2 mois d'ouverture. Le dimanche 8 janvier 2023, c'est-à-dire avant-hier à minuit, ont pris fin les inscriptions des candidats au baccalauréat 2023. Et à l'heure H, c'est-à-dire à minuit précise, nous avons enregistré 84 720 candidats effectivement inscrits. C'est dire que la grande majorité, en tout cas selon nos prévisions, plus de 90% de nos prévisions se sont réalisées. Voilà là où nous en sommes effectivement. Donc une majorité écrasante de Nigériennes et de Nigériens qui veulent faire le baccalauréat session 2023 se sont effectivement inscrits à l'heure précise du jour précis où devraient prendre fin l'inscription. Selon le professeur Moukaila Abdoulawale Serki, les inscriptions se sont déroulées dans les bonnes conditions et même le problème lié aux outils technologiques ont été vite surmontés. Ça s'est vraiment très bien passé. C'est vrai que j'avais quelques appréhensions puisque jusqu'à la dernière semaine des 2 mois que nous avons accordés pour l'inscription, c'était environ la moitié de nos prévisions. Donc en une semaine et même en moins d'une semaine, l'autre moitié s'est inscrite. Et vous savez qu'en matière d'utilisation de nouvelles technologies, dès que il y a trop de monde qui sollicite la plateforme en même temps, ça peut créer des soucis. Donc j'avais quelques appréhensions à ce niveau, mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. L'Office du baccalauréat des examens et concours du supérieur, OBEX, enregistre cette année un peu plus de candidatures pour le baccalauréat session 2023 par rapport à la session passée. En 2022, les candidats au bac étaient au nombre de 70 038, soit 14 682 de moins que la session de 2023. Retour sur cet élément, on me fait signe que l'élément est donc prêt. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a entamé la première étape de sa caravane de promotion des grands projets du président de la République. Ce matin, ils étaient du côté de la région de Tillabéri où ils ont organisé une importante activité sous le parrainage du gouverneur de la région de Tillabéri, en présence de plusieurs cadres de la localité. Youssouf Haïdara pour le compte-rendu. C'est dans un amphithéâtre noir de monde que le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a choisi de vulgariser les grands projets du président de la République, Bazoum Mohamed. Il s'agit, à travers des séries de projections, de montrer à la population de Tillabéri que le Niger est en bonne voie sur le chemin de l'émergence à travers justement les efforts soutenus des différents chantiers. Dans son adresse à l'occasion, le premier responsable du réseau a expliqué le choix de l'initiative. Notre combat à nous, c'est d'encourager toutes les actions de bonne gouvernance, d'où qu'elles viennent, d'encourager les acteurs à continuer à agir dans la bonne direction, pour plus de résultats encore satisfaisants au profit de nos populations. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, la présentation des grands projets du président de la République est un moyen de montrer que le Niger est sur la bonne voie, comme je l'ai dit tantôt, en termes de développement économique et social. C'est l'occasion pour nous d'inviter les populations à observer l'attitude appropriée pour donner une chance de succès total dans la mise en œuvre de tous ces chantiers. Plusieurs projections ont concerné le barrage de Kandaji, la pose du pipeline, les pôles agro-pastoral, le chantier de renforcement de la fourniture de l'énergie électrique, des projections qui ont été faites dans la langue zarma dans la plupart des cas. Cette initiative a été saluée par les autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri.
Nous remercions infiniment cette initiative du réseau qui nous a permis de découvrir de nouveau donc les différentes activités menées depuis l'installation donc, du président de la République et chef de l'État, Son Excellence Bazoum Mohamed, à la tête donc de la magistrature suprême de notre pays. Nous avons passé en revue, comme vous l'avez su, et les activités phares, notamment le barrage de Kandaji, l'évolution des activités du processus donc, de cet ouvrage qui est actuellement, comme vous l'avez dit, à 25% de réalisation. Nous avons également passé en revue le processus de sécurisation de la population d'une manière globale, et en particulier dans la région de Tillabéri, que nous saluons au passage. Plusieurs messages de sensibilisation ont été livrés dans le sens de soutenir les actions du chef de l'État pour un Niger qui gagne, mais également dans le sens de soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation du pays. Du reste, des témoignages de satisfaction ont été décernés à la garde et la police nationale pour actes de bravoure et services rendus dans la répression du banditisme et du crime organisé. La prochaine étape va concerner la région du Dosso, toujours avec les mêmes objectifs, assure le réseau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.